société. Ça, c'était parti politique, culturel, sportif, ecclésiastique. Et la dernière, ou le dernier, pour les chiens. Les chiens, très important. À deux ou quatre pas. Voilà. La commune, elle commence en plaine à 476 mètres et elle finit une montagne chamferrée à 2750 mètres. L'exposition que nous allons voir aujourd'hui, c'est la terre des pentes. Comment est-ce qu'on construit dans ces pentes? Ensuite, on a un petit film sur Isérable. Et puis, si on est plus de 20 personnes, c'est 4 francs par personne. Et maintenant, on prend nos voitures, on va sur l'autoroute de Sierre à Isérable. Je pense que vous suivez les pentes. Jusqu'à Voilà. Ça sert d'auto. Comme le nid de l'essai. Oui, comme c'est.
Effectivement, c'est bien marqué tricot. Mais moi, mon père, qui a fait de la Bretagne il y a longtemps, il a eu des tricolis, hein. Oui, des tricolis. Bah, bien sûr. Je pense que vous allez vraiment passer un beau moment. C'est cet alpage boisé qui est, cet alpage boisé qui est juste magnifique avec les mélèzes presque millénaires, et c'est vraiment lieu magique, donc profitez-en bien. Juste quelques mots sur l'expo temporaire. Donc c'est, on a voulu parler de l'agriculture actuellement. On n'a encore qu'une personne qui vit professionnellement de l'agriculture et les érables, malgré l'endroit qui se prête encore bien à Conticorne dans ses activités, qui tente de maintenir ses activités aussi, et qui travaille toutes à 100% de bénévoles, presque ancrées vraiment dans le quotidien, vu qu'on est dans vraiment une agriculture nourricière, où on n'a pas d'autre choix. Et puis, de l'autre côté, on a... Allez, vive le plus. On n'a pas le droit de produire pendant plusieurs mois. Qui vieillit. Tu es sympa. C'est pas...